Cette cinquième erreur, c'est le fait de dire je ne peux pas, ce ne sera pas possible, je ne pourrai pas tant que. En fait, vous voyez, quand vous dites ça, c'est que le client, eh bien là, il sait que. Ben, quand vous dites ça, en fait, le client sait que vous ne pouvez pas l'aider. Donc, comme il sait que vous ne pouvez pas l'aider, ce qu'il va faire, c'est qu'il va trouver des moyens, tout simplement, de dire ben, merci, au revoir. Et vous, quand vous n'avez pas pratiqué, quand vous ne vous entraînez pas chaque jour, vous allez dire bon, ok, ben. Voulez pas, ben, au revoir. Et du coup, ça va tout simplement vous faire coûter des ventes. Donc, si vous ne n'avez pas tout simplement cette attitude positive de dire pas de problème, d'accord, pas de souci, eh bien votre client, il va tout simplement trouver des moyens. Dès qu'il sait que vous pouvez pas l'aider, il va trouver des moyens de ne plus parler avec vous, de couper contact avec vous et surtout de raccrocher.